Tiyakib Center with the project Imanus. You have 15 minutes for your presentation. Reaching 12 minutes, we will ring the bell to remind you you have 3 minutes left, and afterwards, 5 minutes for question and answers from the members of the jury. I wish you all the best, and your time starts now. Thank you. Donc, bon après-midi tout le monde. Donc, nos projets, c'est Imanus et nous représentons Tuyak. Donc, moi, c'est Pooja, team leader. Donc, Mme Otin. Bonjour. Hadia. Bonjour. Lavesh. Bonjour. Vashana. Bonjour. Et Rochoir. Bonjour. Donc, moi, Martine et Lavesh nous pour présenter. Hadia pour charge de slide. Vashana et Rochoir pour act as facilitators. Nos projets sont basés sur manière. Donc, manière veut dire valeur morale. Donc, valeur morale est bien important dans la vie de tous les jours. Donc, nos buts de nos projets, c'est inculquer dans les jeunes une valeur morale qui est bien importante pour qu'ils deviennent des citoyens responsables. Donc, maintenant, je vous laisse Martine pour développer un peu plus de problème analysis. Violence, violence. Qui veut dire violence? Tous les jours derrière la porte, nous donnent beaucoup de souffrance. Beaucoup crier, beaucoup qui ont l'or. Causer nier des toits bonjour. Seulement, il y avait souffert. Il y avait souffert en silence, il y avait souffert sans soi. Astère, il veut crier, à foi, il dort souffrir. Zodi, il veut causer, les mains, il veut pleurer. Zodi, il dort l'isa. Des mains et dans vos mains. Ici dans Sainte, là-bas fait piquer. La drogue me fait ravage parmi tout l'âge. Nous étions faisons en perdition. Et ça, pour une belle répercussion. Agression après agression, nous pas fait calquer une bonne action. Nous fait faire production, sans même penser nos générations. Les mondes fait dériver à cause de la société. Parents mariés occupés, se tapent bizarre de façon. N'en fait touiller, violer coquin, sans même penser au sein. Donc, maintenant, pour le projet, nous avons servi plan du check cycle. Donc, c'est Deming Cycle. Donc, c'est bien important pour nous planifier notre travail bien. Donc, sa technique-là, c'est bien efficace. Et elle aide nous aussi pour faire un continuous improvement. Donc, premier, nous en plan, comment nous faisons nos planning. Deuxième, do, comment nous perform, c'est plus implementation. Troisième, c'est check, comment nous check tout nos data. Et quatrième, c'est hack, comment qui nous faire pour améliorer nos projets. Donc, maintenant, Martine, pour élaborer plus. Donc, pour la partie planning, avant que nous commencions le projet vraiment, nous faisons une liste de tâches qui nous ont pour nous faire. Nous servons une grande chose pour bien planifier nos projets. Donc, nous sommes capables de grande chose et le petit chose à la page 5. Nous avons aussi servi le log frame à la page 22 dans nos reports pour qu'ils nous planifient notre travail bien. Ensuite, nous divisons notre travail également entre nous 6. Également, et cela d'après talent et skills de nos membres. Nous passons maintenant à la partie data collection avec la Vige. Pour collecter nos data, nous servons triangulation method. Alors, ça nous permet de nous augmenter validité et crédibilité de l'information qui nous gagne. Premièrement, nous observons le comportement maintenant de nos sociétés. Et deuxièmement, nous faisons survey online à travers Google Forms pour gagner du monde de l'opinion. Et surtout, nous faisons des interviews face à face pour nous gagner des informations plus détaillées sur l'émotion, la perception et l'opinion. Et de l'autre côté, nous trouvons un pie chart qui représente un problème qui vient de notre société. Et là, comment je vais trouver, c'est un problème plus large. Et le problème principal, c'est lack of moral values. Et alors, c'est pour la même interview de notre service qui nous fait, nous identifions plusieurs problèmes où on peut trouver violence, pollution et même crime. Mais si nous avons tout ça à trouver, nous arrivons à trouver que tout ça là est lié avec le problème principal, c'est-à-dire manque de valeur morale. Alors, combattre ça. Nous, en tant qu'équipe, nous décidons de trouver une solution pour essayer de mettre fin. Nous découvrons plusieurs solutions. Par exemple, storytelling, vidéos, campagnes de sensibilisation du monde et même drama. Mais vu qu'il nous donne la quatrième révolution, nous l'équipe qui nous choisit de servir la technologie pour combattre ce problème-là. C'est alors qu'on vient avec ça, l'idée de créer une application immaneuse.
Et maintenant, why Emmanuels? Learning with fun. Fostering reading skills. Time flexibility, anywhere and anytime. Easy to play. Promote lifelong manners through technology. Donc tout d'abord, nous faisons planning de nos applications. Le planning, c'est une, en équipe de décider qui software nous servir et comment nos applications peut être. Donc une tombe d'accord pour nous servir le Articulate Storyline, qui est très facile pour servir, surtout pour des débutants comme nous. Vu qu'il nous capable de publier nos applications aussi sur plusieurs plateformes, telles que le web, iOS et Android. Maintenant, nous mettons la partie design de nos applications. Dans la partie design, nous mettons comment nous faisons nos applications. Donc, nous servons storyboard et un flowchart. Ici, nous sommes capables pour storyboard de nos parties stories. Nous passons maintenant nous mettons avec Pooja, qui nous target audience. Donc, nous target audience, c'est plus de bandes jeunes, élèves, donc c'est lower primary classes. Donc, pourquoi? Parce que nous prenons en considération théorie de Piaget. Donc, pendant sa période de temps-là, on appelle ça concrete operational phase. Donc, pendant sa période de temps-là, nos enfants assimilent plus vite. Donc, si nous implémentons des valeurs morales dans eux, donc c'est sûr qu'ils sont plus capables d'être des citoyens responsables. Donc, et aussi, understanding a target audience. Donc, nous faisons un survey avant même qu'ils nous fassent nos applications. Donc, c'était bien important pour nous connaître le goût et le choix de nos enfants. Et nous allons dire maintenant que nous, app, les tailor-made. Donc, nous prenons en considération tout le choix, le needs de nos enfants pour nous capables de faire nos app d'après ce choix. Donc, nous aussi faire un recours de empathy map. Que nous prenons en considération l'émotion aussi. Donc, c'est bien important pour nous comprendre qui est une fille, quand nous servons nos applications. Donc, ça aide nous pour nous améliorer. Donc, Martine, Emmanuels. Donc, création de l'application, qui trouve dans la partie 2 du Deming Cycle. Nos applications sont divisées en deux parties. Un côté, nous avons le My Story et de l'autre, le Story. Donc, My Story, c'est plus un jeu que les enfants de choisir de caractère qui pourraient présenter tout au long du jeu. C'est eux qui choisissent qui tournent en histoire pour prendre. Se prendre une décision, le mauvais ou le bon choix. D'après ça, se trouver une morale. Soit nous pouvons féliciter l'enfant, ou bien nous pouvons faire apprendre de ce bon erreur. Deuxième partie application là, c'est le Star Quiz. Donc le Star Quiz, c'est 9 questions basées sur nos valeurs. À chaque niveau, difficulté là augmentée. Aussi, à chaque 3 bonnes réponses qu'il en faut donner, il gagne étoile. Maintenant, nous sommes ensemble. Maintenant, on a le plaisir. Invite le membre du jury tester nos applications. Pendant ce temps, une vidéo vous est le public. Okay. Également sur l'application. Donc l'enfant a deux choix à faire. S'il prend une mauvaise décision, premièrement sa mère va lui dire bon, tu dois prendre une bonne décision. Et si la deuxième fois il prend une mauvaise décision. Donc merci beaucoup au monde du public et aussi au public. Ça nous fait un grand plaisir qu'ils aient aussi testé nos applications. Donc, vous allez apprendre l'application disponible sur en deux langues, français et anglais. Donc, maintenant, nous passons à l'implémentation. Comment nous implémentons nos projets? Nous sommes dans l'école Chemin Grenier, à Pal Saint-Mis au Capadou, pour nous tester si vraiment nos applications PMOC. Ça, il est divisé en 3 étapes. Premier, c'est le diagnostic. Donc, nous faisons un enfant là, souhait, à MyQuiz,
ça dépend de question là, nous faisons autre jouer. Pour nous connaître à, pour nous connaître un peu, que ça se situe autre par rapport à une valeur. Deuxième étape, c'est le formative evaluation. Nous faisons autre jouer le story pour qu'il nous montre autre, nous inculque autre une valeur morale. En troisième position, nous avons le summative evaluation. C'est une résumé, le quiz, pour qui nous trouvons si pas il y a un changement de manière de comportement. Donc, effectivement, nous trouvons qu'il y a un changement de manière de comportement. Nous faisons un average pour les enfants de la grade 2, pour qu'ils nous trouvent comment ils peuvent trouver dans ce spider diagramme là. Donc, avec la ligne bleue, c'est le before. Vous avez une valeur morale, comment c'était. La ligne rouge, c'est le after. Donc, nous pouvons trouver qu'il y a un increase dans la valeur morale. Maintenant, nous passons à la partie acte de nos projets. Le V, je vous donne un peu plus de détails. Et comment nous apprendre pendant le cours qui feedback est vraiment un aspect bien important. Alors, après que nous testons, nous appelons l'école, nous demandons à nos professeurs et même à nos élèves qui est capable de faire pour nous l'application. C'est alors qu'ils manient des skills, par exemple, ils ont une habilité, ils ont une. Et maintenant, nous prenons tous les points que nous avons en considération. Premièrement, nous avons une courbe, une application, une app. Et puis, nous augmentons la difficulté de la question de Star Quiz avec une question aussi, hein, qui m'ont vu faire le sortir, il y aurait lieu si la veste l'école. Et dans le futur proche, nous pouvons même penser, pour mettre un bouton de clé, que nous avons en tout cas, pour arriver là, voilà, en cas de chose. Et nous finirons aussi la décision de faire le app en version créole mauricienne. Donc, comment nous pouvons tester nos projets? Donc, premièrement, donc, nous avons envie d'aller vers MAI. Donc, à ce moment-là, MAI est capable de servir une app pour qu'on mette une tablette de nos enfants qui sont à l'école. Et aussi, donc, une fête passée dans le budget qui, Premier ministre et ministre de Finances, il dit qui, même grade 4, maintenant, pour gagner accès à la tablette. Donc, pourquoi pas maintenant, nous capables d'élargir notre scope et nous mettre ça aussi dedans. Et un autre, dans ce sujet-là, nous avons le MAI, donc nous avons aussi Dr. Oudjora. Donc, l'in aide nous pour qu'il nous capable de trouver une solution facile et aussi améliorer nos apps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous pas prendre en considération avant. Donc, avec l'aide d'un professionnel, nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses qui besoin changer d'après les pedagogical changes. Et nous faisons nos changements aussi. Donc, deuxième chose, nous pouvons travailler en collaboration avec... Deuxième chose, c'est publishing on App Store et Play Store. Donc, ça, c'est plus facile, accessible à tout le monde et qui n'a accès à la technologie. Donc, troisièmement, nous pouvons travailler en collaboration avec le regroupement social de SUAC qui nous regroupe des enfants qui peuvent et qui peinent l'accès à la technologie. Donc, nous pouvons aider eux d'une façon à trouve une éducation morale et aussi servir la technologie parce que de nos jours, c'est bien important qu'il y ait des enfants qui ont servi la technologie. Donc maintenant, nos projets outcomes. Donc, nos projets sur outcomes, c'est plus long terme parce que ce n'est pas aujourd'hui, lendemain qui nous trouve un grand outcome. Donc, comment nous dire? Donc, c'est lentement, mais c'est sûrement. Donc, nous, expected results, c'est nous trouver un citoyen responsable. Donc, maintenant, en cours de route, nous trouvons plusieurs résultats. Donc, nous trouvons aussi tangible et intangible results. Donc, tangible, c'est plus ce qui nous trouvait, ce qui Martin explique nous sur Spider Diagram. Et intangible, c'est qui nous réussit gagner moralement. Donc, qui nous réussit grandir moralement. Donc, nous improve presentation skills, problem solving skills. We have developed positive attitude et aussi teamwork. Donc, ça nous a donné une leadership brand qui nous dit que nous avons différents pillars. Donc, c'est pertinent tout ça là. Donc, aujourd'hui, e-manners particulier. Donc, c'est sa même base de nous e-manners. Donc, communication skills, c'est que nous apprenons dans le cours. Donc, tout ça a servi pour nous montrer nos projets e-manners. Donc, maintenant, pour terminer, j'ai envie de terminer avec un saying de Dr. Martin Luther King qui dit « Education without morals is like a ship is like a ship without a compass, merely wandering nowhere. » Donc, si nous peinons aucun objectif, nous peinons aucun moral, donc nous la vie peinons aucune bonne destination. Donc, à travers nos projets, c'est ban expected behaviors qui nous fait penser, créer ban citoyens
ben future leaders of tomorrow qui pour augmenter productivité nos pays. Donc merci beaucoup pour l'attention. Donc maintenant question. On va passer à question. Very simple one. What was your biggest difficulty in doing this project, and how did you address it? Une question vraiment très pertinente. Donc, je vais répondre à ça. Donc, pour le projet, nous visons à faire implémentation dans l'école, et que implémentation là, nous dit plan pour faire les 20 dernières semaines, premier trimestre. Mais pendant que occupé avec l'examen, nous tenons à faire une sortie. Donc, nous tenons fini après ça des semaines qu'on est là. Donc, nous tombons dans le deuxième trimestre. Ça, il vraiment dérégler le travail côté les temps. Nous disons Richard fait toujours un work parmi nous et tout cela. Voilà. Donc, nous trouvons une solution. C'est ensemble, à dire qu'il y a la solution. Bon, c'est imaginé, nous aimons tant bien nous dans ça, qui, durant le projet, est de 20 000 inclus, nous, tu te manques comme une semaine. Alors, nous disons redistribuer le workload avant le 6. Donc, quelque chose qui me tient à ajouter, c'est le côté app. Donc, we are not professionals. We are as if going to learn how to lead. Donc, pour nous faire une app, donc, nous avons servi beaucoup d'applications comme un storyline. Donc, nous avons beaucoup nous prenons le trial. Donc, trial, c'est 30 jours. Après 30 jours, nous sommes obligés de shifter. Donc, si y a un problème, le côté que ça n'a pour try in their new laptop and all. Donc ça tient un problème et nous restons trouver une solution à ce problème là. Mais parce que c'était important pour qu'ils nous continuent nous app. Parce que nous app n'arrive la moitié, nous pas connaît comment pour continuer. À ce moment là, nous devons shifter redenti ressources, anti aide pour nous capable continuer app dans le laptop pour nous capable essayer trial encore. Et nous avons saisi l'occasion aussi pour remercier NPCC. À cause au début, moi je peux gagner l'accès à l'école et grâce à l'aide des collaborateurs pour nous. Et nous aussi, avec l'accès à l'école pour nous aussi pour nous tester. Did you take the time to talk to the parents and see if that was an impact? Bonjour, donc on a décidé de parler avec les parents, surtout qu'on a envie de voyager avec les enfants pour tester la préparation. Donc, nous pouvons montrer mon enfant pour parler à moral, mais il ne veut pas dire qu'il va me parler de la barcao. Donc, nous t'en dis, il veut me parler avec nous. Donc, avec le workshop qu'il me fait avec le groupe de Charles de Suyac, nous prévoyons un worksheet, il m'a une activité sheet que vous trouvez dans l'annexe, ce qu'on va pouvoir discuter. Donc, il y a une home activity pour mon enfant. Donc, chaque semaine, mon enfant va avoir une manière morale qui vous fait à la maison. Donc, vous dire bonjour. Une fois par semaine. Tous les jours de la semaine, il y a bonjour. Une semaine, il y a bon après-midi, il faut aider quelqu'un. Donc, c'est les parents qui peuvent bien accéder. Ok, toi, tous les jours, vraiment, tu veux dire bonjour. Donc, parents, il faut signer dans le papier qui est dans le annexe. Et quand on a pas encore mis ce papier-là avec nous, nous avons un petit reward. Donc, c'est maintenant pour un bénédit. Donc, nous avons besoin de 20 grands rewards parce qu'il nous paye le moyen de 20 cadeaux. Donc, chaque semaine, c'est gagné des stickers, 20 cartes.